Éléonore et Léo, lookés, je ne vous dis que ça. Alors justement, Éléonore, toi, pour un décryptage de ton look, raconte-nous un petit peu ton histoire de ta tenue d'aujourd'hui. J'ai essayé de garder le look des années 50, avec les gants, le chapeau surtout. Oui. Et les chaussures, en fait, c'est un peu la touche de modernité, même si c'est toujours, ça reste toujours dans l'esprit... De l'époque, années 50. Tout à fait, avec on voit tout de suite avec la croche hein, pour le soulier, qui est totalement d'époque, le dessin. Voilà. Et puis, alors ta robe, d'où vient-elle cette robe? Alors c'est une robe Jean-Louis Scherrer, et c'est vraiment tirée des armoires de grand-mère. C'est là-bas voilà. Qu'on trouve tous les trésors. Exactement. En même temps. Et ton chapeau? Pareil, ma grand-mère, c'est tout. Avec un collier de perles. Des perles de couture, oui. Ça reste dans l'esprit des années 50. Avec le raccord des boucles d'oreilles, super. Et Léo, alors? Léo, parle-nous un peu de ta chemise ouverte à souhait. Hein. C'est une chemise Cacharel qui fait bien dans le style années 50, plutôt une chemise qui se portait contractée, plutôt que cérémonie. La chemisette que tu as voulu être assortie à Éléonore aujourd'hui. Voilà. Boom. Et puis pour le costume, pareil, c'est un costume d'époque. Hein? Un costume d'œil, pareil, qu'on a trouvé dans des vieilles armoires. D'accord, et comme quoi c'est dans les vieilles armoires qu'on fait les meilleurs looks. Bonne chance pour la chasse de look tout à l'heure en tout cas. Et merci. Puis on se recroise sur le marché. Merci. Bon après-midi. Au revoir. C'est bon? C'est bon?